Nous avons vu hier que c'est la foi qui protégea le peuple juif durant l'exil. Nous avons vu aussi que Moshe est appelé par le Zohar, Raya Me'emna, le berger de la foi. Moshe nourrissait comme un berger son troupeau. Moshe nourrissait son peuple de Emouna, de foi. Il ne s'agit pas là d'une foi du charbonnier. Il est question ici d'une foi ferme et inamovible parce qu'elle est nourrie par Moshe qui représente l'étude de la Torah. Une foi inébranlable est celle qui prend racine dans la raison, dans la recherche, le questionnement et l'étude. Aussi, au moment où Yaakov s'apprête à descendre en Égypte, il envoie en éclaireur son fils Yehuda pour y fonder une yeshiva. Parce que seule l'étude de la Torah est capable de nous armer pour combattre les défis du quotidien et donner du sens à l'exil.